Le président américain Joe Biden a assuré jeudi que la Chine est une bombe à retardement qui menace le monde, car le pays connaît un ralentissement de sa croissance et des problèmes démographiques. Le démocrate américain s'exprimait lors d'un événement de collecte de fonds politiques à Park City dans l'Utah. Il a pointé que le fait que la Chine est confrontée à des problèmes car sa croissance économique ralentit que le nombre de personnes en âge d'être pensionnées est supérieur au nombre de personnes en âge de travailler. Le pays connaît le plus haut taux de chômage. Donc il y a des problèmes. Ce n'est pas bon signe, car quand les mauvaises personnes ont des problèmes, elles font de mauvaises choses. A poursuivi le président américain. Il a contresigné mercredi un décret qui interdit aux entreprises américaines d'investir librement à l'étranger dans les technologies les plus avancées, dont l'intelligence artificielle IA ou l'ordinateur quantique, si cela concerne des pays problématiques, comme la Chine. Pékin a adressé une protestation solennelle par la voie diplomatique aux États-Unis contre ce décret présidentiel.